bout de la tête là où ça fait une cuvette. Et ça rappelle des souvenirs. Évidemment. Un triste souvenir. Le Havre, il y a eu de très très gros bombardements en 44. C'est assez courant qu'on vienne faire des bombes sur ce secteur-là. Les démineurs vont pouvoir commencer concrètement le travail de neutralisation de la bombe. Ça tombait un peu n'importe où. Et le lendemain du bombardement, ben on allait faire une course, on allait au boulot. On voyait des gars qui étaient autour d'un trou, là, et ben, les artificiers, les ramasseurs de bombes. De voir un groupe de noirs ramasser des bombes. Alors il y avait quelque chose de tordu là. C'était pas normal. C'est marrant parce qu'ils habitaient tous dans le même coin, rue des Bocards. L'équipe de la mort, on les appelait. Oui. Puis il était jeune en plus, votre père. Hein. 19 ans. Comment qu'il est arrivé au déminage alors? Pourquoi il a été déminé? Parce que il allait être réquisitionné pour partir en Allemagne. D'accord. Alors il a mieux aimé aller au déminage. Ok, c'était ça ou l'Allemagne? Oui. Ma sœur était assise sur les marchepieds du salon de coiffure. Et il y avait les Allemands qui arrivaient, tremblaient de trouille, peu cher, le pauvre. Il était obligé de leur couper les cheveux et tout. Là. Eh oui, il fallait qu'il se plie. Hein. Puis après, ils avaient peur quand il allait pour déminer, qu'on l'appelait fermer le salon de coiffure. Il allait pour déminer et tout. Il disait, si jamais ils le savent, autant ils vont me tuer. Oui, hein, c'est Livo. C'était lui leur chef. Ils étaient sur le quai pour déminer. Ce jour-là, il était de repos. La bombe, elle a... Paf! Boum! Tout a sauté. Les scaphandriers, il y avait des morceaux de partout. Il y avait eu des morts. Là, lui, il n'y était pas. Il a été chanceux, c'est vrai. Il a eu de la chance.